changer ça. Un peu de sérieux, les enfants. La recette du gâteau chocobio demande de la concentration. Merci, Hippolyte. Commençons par réunir les ingrédients. Farine de châtaigne, sucre de bambou, œufs de canne, graines de la forêt. Oh, il faut aussi du chocolat. Malik? J'ai rien fait. La gourmandise est un vilain défaut. Comme disait ma vieille maman. Les sucreries, c'est du pain béni pour les caries, je sais. Et c'est pourquoi je ne veux pas voir la queue d'une sucette sur le camp. Il a confisqué tout le stock de bonbons que mes parents m'avaient envoyé. Je te tiens à l'œil, toi aussi. Je sais très bien que tu n'es pas blanc comme neige. T'as vu ça? Ça sent le scoop. Réfléchissons, à quel moment la tige s'est-elle mise à pousser? À tes souhaits, Squeak. Mais oui, c'est ça. La tige est sortie quand Brian a éternué. Perdu. Incroyable! On dirait qu'elle réagit au rire. Recommence pour voir. Ha ha ha! Quoi? C'est bien ce que je pensais. Faut un vrai rire pour la faire pousser. Intéressant. Quoi? La plante produit de gros fruits qui ressemblent étrangement à des bonbons et qui ont le goût de... De bonbons? Une plante qui fait pousser des bonbons? Non mais tu te rends compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va enfin voir le flop à chat! Oui, on va semer les bonbons pour l'attirer et attendre qu'il vienne jusqu'à nous. Et hop, le tour est joué! Je savais pas qu'il aimait les bonbons. Il les adore, tu veux dire? Wapi Thérèse dit qu'il est tellement gourmand qu'il peut détecter une odeur sucrée à des kilomètres. Ouais, sauf qu'il va nous falloir un max de bonbons, donc de rire. C'est pas un problème, on va les enregistrer. Tiens-toi prête, on va bien se marrer. Oh zut, je les ai ratés. Oula, ça va chauffer. Ah, salut Annette. Ça baigne, je veux dire ça roule. Une méduse. Hein, c'est mon maillot. Dans la boîte. Qu'est-ce qui est dans la boîte? Waouh! Un arbre à bon bec? C'est bien la première fois que je vois un truc utile dans cette vallée. C'est avec ça que vous voulez attraper le flap à chat? Seulement 3 bonbons? 4, tu veux dire? Hey! Bleu, comme le bonbon que tu viens de boulotter. Bonbon? Qui a parlé de bonbon? Vous avez mal entendu. Brian vient d'avaler de l'encre et je lui disais... Ah, c'est le pompon. Je ne vous le fais pas dire. Merci, Brian. À cause de toi, on a un bonbon en moins. Calmos. On va récolter des rires à l'appel. Et tu l'auras, ta dose de bon bec pour le flap à chat. Oh.
jolie cueillette, les amis. Attendez, on va s'en faire un petit dernier pour la route. Brian, non, reviens. Veuillez m'excuser pour ce rapprochement inopportun. Oh, tout le plaisir était pour moi. T'es malade. Relax, mon pote. Avoue que c'était super délire. Super risqué, oui. À cause de toi, on aurait pu se faire griller. Tiens, on peut savoir ce que tu fais là? Moi? Laisse-moi t'aider. Tu cherches ça, peut-être? Hein? Pas du tout, c'est... Monsieur Squadrol. Hey! On va voir si tu t'amuses autant à faire la plonge. Alors, on fait moins le malin, hein? Comme disait ma vieille maman, rira bien qui rira le second. Non, c'est pas ça. Plus bas, plus bas. Elle y est presque. Rira bien qui rira le premier. Le premier. Non, j'ai un doute. À moins que ce soit le troisième qui rit le premier. Comment? De quoi tu parles? Ah, rien. C'est juste une blague trop marrante. Alors, c'est une limace qui dit à une autre limace: bonjour, collègue. Comment ça va chez vous? On n'a plus assez de cordes. Alors là. Squeak, à toi de jouer. Squeak! L'autre, elle lui répond: oh là là, m'en parlez pas, ma bonne dame. Si vous saviez comme j'en bave. Bave, limace. Excellent, non? Vite, faut leur monter. Oh, comment est-ce qu'on éteint cet engin infernal? Non, pas comme ça. Oh non, oh, vous avez tout effacé. J'arrive plus à tenir. Moi non plus. Malik, non. Oh, alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Si je peux m'exprimer ainsi. Excusez-moi, c'est pas drôle du tout. Mais alors, vraiment pas. C'est pitoyable. Pathétique. Vraiment grotesque. Incroyable. Hippolyte a de l'humour. Et pas qu'un peu. Grâce à lui, on a récupéré tout notre stock de rire. Hippolyte? Qu'est-ce qui vous arrive? Mais rien. Rien du tout. J'étais en train d'éplucher des oignons. Voilà tout. Vous voulez aider, mais ça fait tellement pleurer. Oh, mes pauvres biquets. Retournez vous amuser, je vais m'en occuper. Vous êtes un grand sensible sous vos airs de Duracule. Allez, encore un effort. Je crois que c'était notre dernier bonbon. Pas grave, ça devrait suffire avec ce qu'on a mis. Il n'y a plus qu'à attendre que le flapacha morde à l'hameçon. En tout cas, moi, je suis prêt pour le scoop du siècle. Le flapacha? Déjà? Oui, Titi! Hein? Hippolyte? Qu'est-ce que vous faites ici? Comment ça? Eh bien, je ramassais des champignons. Ah oui, ce serait pas plutôt des bonbons? Hein? Mais c'est ridicule, enfin, vous savez bien que je déteste les sucreries. Faites voir votre langue. Non mais dites donc, jeune homme, attention à ce que... Oh le menteur! Il a mangé tous les bonbons! Oh! Absolument! Je me suis sacrifié et vous pouvez me remercier.
Vous savez que le sucre, c'est très mauvais pour les animaux. Vous imaginez, si un mulot avait avalé tout ça, la crise de foie. Le pauvre. Que je ne vous y reprenne pas à jouer les empoisonneurs. Allez hop, retour au camp. Ah, je crois que je n'aurai jamais mon flap à chasse-coup. On a perdu sur toute la ligne. Si ce petit incident reste entre nous, je vous autorise les bonbons au camp. Ouais, merci, Louise. En quantité raisonnable. Tout stock superflu sera géré par moi.